Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé. Au milieu du mois d'août, je crois qu'il a neigé. Il n'y avait plus personne aux terrasses des cafés. Et tous les magasins étaient fermés. On aurait dit la guerre, ou bien je ferais. Sans repas de famille et sans électricité. Il n'y avait rien à faire, et rien n'a été fait. Il n'y avait rien à faire, incroyable mais vrai. Aujourd'hui c'est reset, problème de scénario. L'hiver est de retour, 6 mois, trop tôt. On s'attend au pire, il faut en profiter. On n'a pas tous les jours de la neige en été. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé. Au milieu du mois d'août, 0 degrés. Il y avait un grand feu dans la rue d'à côté. Apparemment les gens voulaient se réchauffer. Penser à autre chose, parler un peu de tout. Parler un peu c'est bien, et ça ne gâche rien. Comme ça tous en caouet, comme ça en plein été. Ils ont tiré les rois, il y avait 2-3 chiens. Je les ai vus trinquer, les gens de mon quartier. Quelqu'un a même dit qu'il était désolé. Ils ont mangé du pain, ils ont l'air d'être abonnés. Et si ça continue, ils vont devenir fous. On s'attend donc au pire, il faut en profiter. On n'a pas tous les jours de la neige en été. On n'a pas tous les jours de la neige en été. Il était 17h30 et personne n'a rien dit. On s'est tous regardés et personne n'a rien dit. Ça ne fait plus aucun doute maintenant, aucun doute, j'en ai bien peur. On s'est trompé de A jusqu'à Z, on s'est foutu le doigt dans l'œil et personne n'a rien dit. On voudrait bien faire marche arrière, un nouveau départ en quelque sorte. Mais personne n'a rien dit. Ce qui est fait est fait. Il est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Ce qui est fait est fait. Il est trop tard, et personne n'a rien dit. On a joué aux champions, on a marqué des buts entre 4 blousons, de ce coin de la ville et jusqu'à l'horizon. Il y avait des flammes, toutes les 10 maisons. Bonjour, je m'appelle. J'habite à Saint-Étienne, je marque des buts, je lance des boules de neige. Je fais du surf sur mer, l'hiver, j'hiberne. Au printemps, pour la forme, je visite des toiles de mer. J'organise des paris sur terrain de battrap, les portraits d'eux qui
histoire de l'art. Prennent une claque, ils prennent l'œil gauche, le muscle pour l'œil droit. Les bras ne comptent pas, les jambes c'est trop facile. Depuis j'ai remarqué, souvent elles n'y sont pas. J'ai eu la Joconde à la fronde, j'ai rendu Picasso manchot. Et ainsi j'ai représenté l'artiste espagnol en Vénus de Milo. Personne ne s'émerveille à croire que c'est mieux de se couper l'oreille. Je suis interdit dans tous les musées de France, mais moi, j'ai ma conscience. Quand un journaliste meurt, j'allume un cierge. Quand un politique tombe, je fais la grève. Pour le sida, j'ai mis mon fusil aux enchères. Et puis l'étoile avec des trous, c'est plus facile à se lever, à transporter, à accrocher. Les musées sont ingrats, je redonne une tapisserie leur raison d'être comme il se doit. On dit que l'art est mort, mais s'il ne l'est pas encore, il faut le tuer. Les choses seront plus claires et on saura ce qu'il nous reste à faire. On dit que l'art est mort, mais s'il ne l'est pas encore, il faut le tuer. Les choses seront plus claires, on saura mieux à qui on a affaire. La presse recense plusieurs millions d'intentions de vote. Ça prouve que certains ont encore des intentions. Dommage que ce soit pour voter qu'ils s'en défendent. Heureusement, Skyrock veille à la liberté d'expression. Je rejoins le club des dégoûtés. Donne du fil à retordre à l'AFP. Pour les sondages, s'il me plaise, laisse gâter le PAF. Profite juste du bénéf de ne pas être recensé parmi ceux qui ont loupé le coche et à qui l'ont vidé les poches. Pour quelques lois, ils vont raber le dégoût. Produit de première nécessité, le seul dont j'ai besoin. Quand aux problèmes de société, les solutions, à part la destruction, je ne vois rien venir. Le pire, c'est qu'il va falloir se maintenir en première division des bons à rien. Si je veux gagner mon pain, les guignols de l'info, c'est rigolo. Les gens bien disent que c'est rigolo. Les gens moins bien regardent le bébé chaud. Le bébé chaud, c'est rigolo. La télé s'adresse, mais c'est le même topo. Je ferai bien la révolution, mais tout seul, c'est coton. C'est vrai que le monde est con, et plus il se pourrit, et plus je me sens bon. Plus les femmes sont sexy, et plus je me sens con. Si la population prenait les limites des revendications, que ferais-je de mon QI sans doute une contre-révolution? On dit que le peuple est mort, mais s'il ne l'est pas encore, il faut le tuer. Les choses seront plus claires, je n'aurai plus à chercher ce qu'il me reste à faire. On dit que le peuple est mort, mais s'il ne l'est pas encore, il faut le tuer. Les choses seront plus claires, je n'aurai plus à chercher ce qu'il me reste à faire. C'est la pire fiction d'anticipation, version ultra-satisfaction de Pluton dans l'annihilation. Pas de Pluton d'interruption, pas de légende. Pour seul décor, un chat mort pendu à une guirlande, plus quatre angles à chaque intersection. Les angles intérieurs et ceux du dehors, les angles des fenêtres et ceux des corridors, les angles des immeubles et ceux des cimetières, les angles de la route, les angles en bas des feux, les angles des tuyaux et ceux des capteurs solaires, le carré roi, le rectangle au pinacle, les comptoirs, les guichets et tout ce que l'on veut.
du sucre en morceaux au paquet de tabac, de l'histoire du nougat à l'interprétation des rêves, jusqu'au scanner de la nouvelle glande. Trop d'angles, on s'étrangle. Heureusement il y a la viande pour arrondir les angles. La viande folle à l'intérieur et au dehors, aux fenêtres, aux corridors, dans les immeubles et dans les cimetières. La viande folle sur la route, à chaque intersection, au comptoir, au guichet, n'importe où on la veut. Celle à manger, celle à croire, sont deux façons de le voir. Trop de bouffées, on s'étouffe, ou on étouffe. C'est la pire fiction d'anticipation, version ultra satisfaction, de glouton dans l'annihilation. Pas de bouton d'interruption, pas de légende. Pour seul décor, un chat mort pendu à une guirlande. Plus quatre angles à chaque intersection. Les angles intérieurs et ceux du dehors, les angles des fenêtres et ceux des corridors, les angles des immeubles et ceux des cimetières, les angles de la route, les angles en bas des feux, les angles des tuyaux et ceux des capteurs solaires, le carré roi, le rectangle pinacle, les comptoirs, les guichets et tout ce que l'on veut. Du sucre en morceaux au paquet de tabac, de l'histoire du nougat à l'interprétation des rêves, jusqu'au scanner de la nouvelle glande. Trop d'angles, on s'étrangle. Heureusement il y a la viande pour arrondir les angles. La viande folle à l'intérieur et au dehors, aux fenêtres, aux corridors, dans les immeubles et dans les cimetières. La viande folle sur la route, à chaque intersection, au comptoir, au guichet, n'importe où on la veut. Celle à manger, celle à croire, sont deux façons de le voir. Trop de bouffe et on s'étouffe, ou on étouffe. Parisien, mais l'italien en a eu l'idée. On aime, on ose, on adore. Est-ce grave, docteur? L'idée s'en jeter. À peine rentré de vacances, la réalité vous sautonnait. Étrangement, plus la vie ressemble à un roman, plus le roman s'éloigne de la vie. On rêve? Pas tant que ça. C'est une simple question d'habitude. Étalon aiguille attaque, moi chez moi, toi chez toi. Sublime déclaration d'amour, affreuse déclaration d'impuissance. Cet incident de parcours arrive souvent. Le parfum, c'est donc vraiment une histoire de séduction. On étudie toutes les solutions. Le matin, quand je me lève, je fais des bonds. J'ai peur de mon ombre. Parfois, je change trois fois de t-shirt ou de veste. Je suis sensible et j'en suis fier. Maintenant, elle s'inquiète. Les drames, on les a déjà vécus. Quand on pense ne plus s'aimer, on réagit comme des célibataires. Elle n'ouvre pas mon courrier, je n'ouvre pas le sien. Il y a longtemps qu'on est d'accord là-dessus, mais je ne me lasse pas de ses arguments. Un temps, je la faisais trop rire. La soupe est bonne, mon général. On récupère tout à partir du moment que c'est utilisable. J'ai su pourtant que tout s'aggravait quand une amie a murmuré sans geste. De ma vie, je n'ai entendu une chose aussi révoltante. L'écriture minimaliste ne raconte rien, n'explique rien. Un non-dit quasi total dont chaque ligne pourtant hurle une évidence. Bizarrement, quand ils se promènent en forêt, les hommes et les femmes ne voient pas les mêmes animaux. Il faudra maintenant consulter un médecin avant de se présenter devant monsieur le maire. Le parfum, c'est donc vraiment une histoire de séduction. On étudie toutes les solutions. Le parfum, c'est donc vraiment une histoire de séduction. On étudie toutes les solutions. Un jour ou l'autre, une douleur, une épreuve, casser le couple, j'étais son esclave, je souffrais terriblement, il me trompe mais je l'accepte, je me passe un fil, sans une idée vraie et fausse, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces pensées, la piste du bonheur,
la façon la plus discrète de se faire remarquer, encore un bon motif pour se distinguer. Comment les vrais gens racontent leur vraie vie? Qui sont-ils, elle et lui? Le parfum, c'est donc vraiment une histoire de séduction. On étudie toutes les solutions. Voici une semaine importante. Pardonner ou ne pas pardonner. Une affaire embarrassante. Toute la procédure est entièrement gratuite. Essayez. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Réfléchissez. Vous allez voir ce que vous allez voir. Garantie, tel un pourcentage sur l'assurance financière.
s'arranger la frange, et puis croire en la loi des échanges, de la fange qui a faim et du gratin qui mange. À part sortir quand c'est fini, main dans la main de celle qui nous a choisi. Il n'y a rien à gagner ici. Il n'y a rien à gagner ici. À part tourner en rond dans l'atmosphère, frayer avec le seul frère, P-E-T-E-R, à grands coups de métal, faire sauter la caisse, pour voir dans quel état ça vous laisse, D-E-N-S, la mort dans les jeux vidéo, trois fois par pièce, K-R aux philosophes partisans, nous n'avons pas besoin d'aide, T-A-D-Z, profiteur du malaise, le putain qui se taise, à part faire les sauts de l'ange entre deux chaises, pour reparler d'incurable, numéro un, tueur de rêve, complice révocable. Rien à gagner ici, la poste avant-garde cassera les prix, mais jamais l'ambiance, à part des parties pris en chien de faïence, le voyage sans exil, de l'élixir sous mes manches, et pour toute la descendance, en plus de ce que j'ai déjà dit, à part gâcher sa vie. Il n'y aura rien à gagner ici. Il n'y aura rien à gagner ici. Il n'y aura rien à gagner ici. We'll be right back.
Sam. Regardez, je commence à être saoulée, je bégais. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Mais je dois rester tout le temps avec vous. Tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couille demi, d'un air sournois en pensant « Oui, ma petite, tu peux te reposer, mais je t'aurai. » Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui s'est baisée par n'importe qui s'est baisée n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui n'est pas une pute. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, c'est une pute. Il n'y a pas de putain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain? Il y a des cons, il y a des sexes. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas triste, hein? C'est super gay. Et je me fais baiser par n'importe qui. On me baise et je prends au pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul? Le sexe. Tu me baises bien, hein, comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Quand les gens veulent se pleurer, comme ils peuvent croire, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. La chose amusante, la chose horrible et sordide, du putain, la chose sordide et horrible. Si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux, et comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul. Et après je me suis fait baiser. J'ai pris un maximum d'amour. Et je me suis fait baiser. Et je suis peut-être une malade chronique, le baisage chronique. Et pourtant le baisage, j'en ai rien à foutre. Me faire recloquer, ça me ferait chier un maximum. Alors j'ai un tampon dans le cul pour le faire enlever, pour le faire baiser, il faut en faire un maximum. Pour m'exciter un maximum, rien à foutre. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes que baiser c'est de la merde. Qu'il y a une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement. On voudrait faire un grand fou. Et autrement c'est quelque chose de sordide. Il y a pour baiser dans tout ça nous vraiment. Les très jolis seins, ils sont très désirables. Ma bouche n'est pas mal non plus. Merde, n'importe quoi, c'est une poussière.
beau rêve. Dans ces moments-là, c'est chacun pour soi. Fait de beaux rêves. Tu pourras parler, rire ou bien pleurer. C'est ton problème. Tu pourras mentir, simplement subir. Choisis ta peine. Revoir un ami, un instant précis, sans qu'il comprenne. Voler une craie, puis tracer un trait. Souvent diffusé, mais toujours inédit.